Pour la culture. Donc, ça, quand elle dit fait ça, il voit que Flo va intervenir. Ah, mais quand même, je te dis, tu arrêtes ça. Tu arrêtes automatiquement. Tu arrêtes ça. Ça ne te mérite pas. Ça ne te mérite pas. On fabrique les vrais gens. Quand tu veux fabriquer quelqu'un, on fabrique les vrais gens. On fabrique les vrais gens, on ne fabrique pas. En provenance. On ne fabrique pas des déchets, des machins. Tu vois, depuis que tu t'affiches avec elle, les gens te fuient. Hein? Les gens te fuient. Maintenant, quand tu fais ton buzz, tu es avec ton Flo. Tu as vu comment ça donne. C'est de ça qu'il s'agit, on ne discute avec personne. Donc tu fais, si c'était même une autre petite fille, même encore, tu n'es pas encore fait le buzz, ça allait donner. Ça allait donner, mais celle-là, celle drogue là, elle ne peut rien. Elle ne peut rien, je dis, c'est une manière de faire que les gens écoutent sa musique, les gens la suivent. Jamais, je dis, niet, il n'y a pas, c'est une voleuse, une méchante, une aigriche. Donc avec la malchance là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Gringaler, parce que nous avons encore une langue. On quoi ta manis à wami comme mi service. Bon, ça devient un peu long. Je crois qu'on a saisi un peu, en gros, la substance. Voilà. Partagez le live, mettez les cœurs et likez la publication. Ça, c'est clair. C'est le deuxième live que mon aîné Amazon fait contre moi. D'accord. Par rapport à sa page que j'aurais volée. Donc, je voulais déjà rétablir la vérité. D'accord. Et après, je vais conclure. Par rapport à elle. Hein. Et ensuite, on va passer au criquet de Kribi. Ça, c'est clair. Amazon me contacte à travers la veuve. Ça, c'est clair. La veuve à qui j'ai monétisé gratuitement sa page. Pourquoi? Bah, parce que je trouvais que elle faisait un peu pitié, quoi, sur la toile. Toutes ses consoeurs, toutes ses camarades, les stars, Rakata, gagnaient de l'argent. Elle ne gagnait rien. Et puis, elle n'a rien, concrètement. Donc, tout le monde s'accorde là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais pas lui prendre de l'argent parce que, voilà, c'est des aînés que... Voilà. Moi, j'ai mon empathie, en fait. J'aboie, mais j'ai de l'empathie et tout. Elle a proposé de me payer. Je lui ai dit non. Laisse tomber. Et tout. Donc, elle m'a emmené faire un resto. Et lors du resto, j'ai commencé son travail. Maman. Donc, elle a vu ça. Elle a cru que peut-être qu'elle pouvait m'abuser, qu'elle pouvait m'utiliser comme elle veut. Elle allait chercher son amie Amazon pour que je la monétise également. De la propre bouche d'Amazon, la veuve lui aurait dit qu'elle peut m'utiliser comme elle veut. C'est elle-même qui l'a sorti de sa bouche. Oh mon Dieu, Seigneur, calme-toi. Moi, elle m'avait dit, après, hein, parce que quand elle vient vers moi, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Ah, ça. Mais quand les problèmes commencent, elle me dit que la veuve avait dit qu'elle peut même me donner 100 euros. Sauf que quand elle est venue vers moi, même les 100 euros, elle n'était pas prête à me les donner. Mon frère! Encore que quand je décide de monétiser la page de quelqu'un, je me fais payer pour un service. C'est un service. Ce n'est pas du consulting. D'accord? On croit que le consulting, c'est une mission. Ça, c'est clair. Là, la page d'Amazon me demandait d'être présente constamment. Parce qu'elle ne maîtrise pas l'outil. Son neveu qui était sur la page ne maîtrisait pas assez l'outil. Il savait juste rajouter les admins et les retirer. Ça, c'est clair. Il ne savait pas comment monétiser. Il ne savait pas comment nettoyer la page. Parce qu'il y a des choses qui bloquent la monétisation. Ça, c'est clair. Ce que j'ai fait. Et je devais être là tout le temps. Pour suivre, contrôler, partager, faire des trucs, ce qu'il faut pour optimiser la monétisation. Ça, c'est clair. Voilà, quelqu'un qui maîtrise un peu, tu peux monétiser sa page, tu le laisses avec. Mais il y en a qui maîtrisent rien du tout. Et ça, c'était le cas de la grande sœur Amazon. Ça, c'est clair. Donc, elle me dit, je n'ai rien. Donc, elle est venue avec rien. Ah, quoi? Rien du tout. Ah, oh, maman. Quand le criquet de Kribi me traite de voleuse, je me demande si elle a déjà fait ses produits-là à crédit à quelqu'un. Je m'interroge. Est-ce qu'elle a déjà donné ses produits à crédit à quelqu'un? Je m'interroge. Moi, j'ai pris mon temps. C'est du taf. Je m'occupe de mes pages toute seule. Personne ne m'aide à monétiser mes pages. Ça, c'est clair. Je m'occupe d'écrire mes chansons toute seule. Quoi? Je m'occupe de les payer au studio toute seule. Quoi? Il n'y a pas un parrain. Il n'y a pas un gars ou je ne sais qui d'autre. Tout ce que je fais, c'est de moi-même. Ça, c'est clair. C'est la sueur de mon front. C'est mon temps que j'accorde sur les réseaux sociaux. Parce que je suis allée à l'école pour ça, en fait. Figurez-vous. Aïe. Que j'ai fait de la com. Option digitale. Aïe. Donc, je suis en plein dans ce que j'ai appris à l'école. Ça, c'est clair. Donc quand je prends mon temps, je l'accorde à une grande sœur pour qui j'ai eu de la compassion. Là, je parle de la veuve. Pour qui j'ai eu de la peine. Parce qu'elle, elle s'est gosillée sur la toile et qu'elle n'avait pas un franc qui rentrait. Toutes les autres qui sont ses copines. Toutes celles que toi-même, Amazon, tu cites aujourd'hui. Tu étais avec elles. Elles étaient sur la toile. Elles étaient toutes monétisées. Aucune n'a monétisé ta page. Ça, c'est clair. Aucune. C'est moi la pourriture, l'angolilang. C'est moi tout ce que tu as dit là. Tout ça, c'est moi. Mais c'est de moi que tu as eu besoin pour monétiser ta page. Ça, c'est clair. À ce moment-là, toutes ces personnes-là étaient là, elles te voyaient. Ça, c'est clair. Même ta sœur était bon, c'était monétisé. Personne ne t'a montré. Personne ne t'a envoyé quelqu'un pour faire ce travail-là. C'est moi que vous avez trouvé et que la veuve t'a envoyé en se disant, comme j'ai fait pour une, je vais continuer à travailler gratuitement pour tout le monde. Ça, c'est clair. Tu dis que je suis une poisseuse. Mais à ce moment-là, tu avais besoin de la poisseuse. Toi qui es une grande artiste. Toi qui es un monstre du live. Toi qui as des opportunités de chanter. Moi, je n'en ai pas, vous l'avez dit. Vous avez décidé de me boycotter parce que j'ai une grande gueule. Parce que je refuse de me plier aux règles. Je refuse de me soumettre à certaines personnes. Ok. Toi donc, qui a toutes ces opportunités, qui chante partout. Quand tu viens vers une petite sœur, tu m'as appelé petite fille. Quand tu viens vers une petite fille qui s'occupe seule de ses deux enfants, qui n'a pas d'opportunité de faire des scènes comme toi. Ce que je sais faire,
j'essaye de gagner ma vie avec et que tu refuses de me payer. C'est pourquoi je mange quoi en fait? C'est pourquoi je paye mon loyer? Comment? J'ai m'intérêt! Que je nourrisse mes enfants? Comment? J'ai m'intérêt! Elle m'a dit, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, ok, on peut aller sur un système de pourcentage. Sauf que c'était, je n'avais pas vu la profondeur de l'iceberg, j'avais vu que la tête. Et je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas manier l'outil. Donc, pour avoir de l'argent, je devais rester sur la page. Contrôler tout ce qu'elle fait, rectifier tout. Ça, c'est clair. Elle faisait ses lives en patois. Ça, c'est clair. En dialecte, c'est moi qui lui ai dit qu'il faut que tu arrêtes ça parce qu'on ne peut pas monétiser le dialecte. Nos dialectes ne sont pas connus par Facebook. Ils ne peuvent pas le traduire, donc ils ne monétiseront pas ton contenu. Ah! Oh, maman. Il y avait des vidéos, des audios plutôt, où elle discutait avec la maman Katino, qui était sur sa page, qui bloquait la monétisation. J'ai dû effacer pas mal de choses. C'est du temps. C'est du temps. J'ai dû prendre mon temps, effacer tout ce qui n'allait pas pour nettoyer la page. Pour que je puisse espérer être rémunéré un jour, en fait. Ça, c'est clair. Au fil du temps, je me rends compte que c'est un peu de l'abus. Qu'on peut me contacter à n'importe quelle heure, exactement comme la vie le faisait. Moi, j'ai pas de repos, j'ai pas de répit et je gagne rien du tout. Mais mon frère, hey. J'ai monétisé. Son neveu est là, admin. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Il sait comment retirer quelqu'un. Moi, j'ai déjà monétisé. Donc, je me sens en insécurité. Je n'ai pas été payé. Le neveu est là, il ne fait rien. Je dis bien rien, même partager, il ne partageait pas. Oh, maman. Donc, je dois me préserver. Je dois veiller à mes intérêts. Si le neveu, pendant que je dors, m'éjecte de la page un jour, comment je fais pour être rémunéré? J'ai m'intérêt! Alors je retire le neveu. Je lui dis, le contrat que toi et moi on a signé, il n'y a pas le neveu dedans. On a signé un contrat comme quoi j'administre ta page. Ce n'est pas le neveu et moi qui administrons la page. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je retire le neveu. Elle est toujours là. Elle pète un câble. Que je dois remettre le neveu. Je dis, moi je peux pas. Parce que je pense, je me sens pas en sécurité en fait. Et que ça me demande trop de travail. Lui il ne fait rien. Je vois pas pourquoi il doit rester là en fait. Elle dit non. Je dis, ok, dans ce cas, paye-moi. Je te laisse la page. Je m'en vais. Elle me dit qu'elle n'a pas d'argent. Qu'on a un contrat. Je dis, mais le contrat dit que c'est moi qui administre la page. Pas tes neveux et moi. C'est moi. Donc, je la retire de la page parce que je veux qu'elle me paye et que je ne veux plus travailler. Mais je veux qu'elle me paye et je lui rends sa page. Il y a des gens, il y a les MT Babon, par exemple, qui m'ont contacté pour me dire, écoute, on te paye. Dis-nous combien tu veux. On te paye. Tu rends la page. Je lui ai dit, elle allait la voir. Amazon leur a dit qu'elle ne veut pas qu'on me paye. Hein? Qu'elle ne veut plus de la page. Tais-toi, maman! Voilà ce qu'elle a dit. Ses abonnés, il y a des gens qui étaient prêts à cotiser pour me payer, pour que je lui rende la page. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Ah bon? Et pourquoi? Que je reste avec la page. Elle ne veut pas qu'on me paye. Partagez d'abord! Qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus entendre parler de la page. Que je peux rester avec, elle s'en fout. Elle ne peut même pas même un franc qu'on me donne. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai m'intérêt! Moi j'ai aussi ma réputation, ce sont les affaires! Ça c'est clair! Si tout le monde entend que oui, chacun peut venir se faire monétiser chez moi et partir avec mon argent, mais personne ne va se gêner, ils vont venir! Ça c'est clair! Pour vous dire, il y a encore des gens qui m'écrivent aujourd'hui pour monétiser leur page, je refuse! Je ne veux plus! Ah bon? Et pourquoi? J'ai vu comment ça s'est terminé aussi avec la veuve, mon merci! J'ai entendu que c'est elle qui m'a fait connaître. Elle m'a fait connaître par qui, s'il vous plaît? J'ai m'intérêt! Par qui? J'ai m'intérêt! J'avais déjà plus de 40 000 abonnés quand je commence à traiter avec la veuve. Elle m'a fait connaître chez qui? J'ai m'intérêt! Par qui? J'ai m'intérêt! La veuve qui ne voulait pas jouer ma musique, soi-disant quand elle joue ma musique, on coupe, mais jouer la musique d'autres personnes, on ne coupait pas. Si c'est Warrior, on est qui vont lui dire. Quand elle faisait ses lives, j'étais en bas, en modérateur. Je t'ai pas payé pour ça. Oh, maman! Donc à un moment, il faut qu'on arrête. Ça, c'est clair! Voilà l'histoire! Ça, c'est clair! Mais j'ai décidé aujourd'hui de rendre la page d'Amazon. J'ai décidé de te rendre ta page. Ce n'est pas X qui m'a parlé, ce n'est pas Amer Kamer, parce que tu fais t'appeler son nom là. Visiblement, tu penses qu'il va m'influencer à faire quoi que ce soit. Je prends mes décisions toute seule. Il gère son business, je gère le mien en fait. Ça, c'est clair. Donc, j'ai décidé de te rendre ta page. Tu sais pourquoi? Parce que je prends une nouvelle direction en fait. Je veux rien qui puisse entacher la direction que je suis en train de prendre. Et ta page, je ne l'ai jamais utilisée. Parce qu'on me traite de voleuse de page. Quand on vole quelque chose, c'est pour s'en servir. Sa page, je n'utilise pas. Je n'utilise pas ta page. Allez, regardez. Si vous tapez, j'ai changé le nom. Mais si vous tapez, vous allez tomber sur la nouvelle, le nouveau nom. Si vous tapez Amazon l'ancienne page, vous allez tomber sur le nouveau nom. Mais mon frère, hey. Je n'utilise pas cette page, je ne publie pas dessus. Même les partages, je ne faisais même plus. Du coup, la page a été démonétisée parce que tellement elle est inactive. Je n'utilise pas. Merci Rêve, dis-leur ça, que j'avais pris cette décision depuis un bon bout de temps. Dis-leur ça, que j'avais décidé de lui rendre sa page depuis. Facebook a démonétisé, ce n'est même pas moi. La page était là, monétisée, je ne l'utilisais pas. Je ne l'utilisais pas, même pour partager mon contenu dessus, je ne le faisais pas.
Facebook a démonétisé la page parce qu'elle est là, elle est en stand-by, elle ne sert à rien. Ah bon? Et pourquoi? Je ne l'utilise pas. Alors, je vais voler quelque chose pour ne pas m'en servir. J'ai 3 pages monétisées, comment? Dégâts! Ouais, venez! J'ai 3 pages Facebook, les 3 sont monétisées. Dégâts! Ouais, venez! J'ai 2 chaînes YouTube, la deuxième va être bientôt monétisée, la première monétisée, la deuxième va être monétisée très bientôt. Hey! Mon TikTok est monétisé. J'ai 11 000 abonnés sur TikTok. Je suis déjà payé à la vidéo sur TikTok. Ce que certains attendent d'avoir ça, certains attendent d'avoir 100 000 abonnés pour avoir ça. Avec 11 000, TikTok me rémunère sur mes vidéos d'une minute. J'ai déjà les publicités insérées. Ceux qui sont sur TikTok savent que ce n'est pas donné. C'est parce qu'il y a de l'audience sur mes pages. Pourquoi je me tordre le cul à utiliser ta page? Les autres là, c'est déjà du travail parce que toutes mes pages ont un contenu différent. C'est déjà énormément de travail. C'est énormément de travail de faire du contenu pour chaque page, pour chaque destination, du contenu différent. Alors qu'est-ce que je vais me casser la tête à utiliser ta page? Je me suis sentie abusée. Je me suis sentie trahie, utilisée. Et quand tu avais fait ta sortie, parce que ça, ce ne sont pas ses premières sorties. Elle était sortie en premier. Ça, c'est ce qu'elle va pas vous dire. Elle était sortie la première. Me traiter de tous les noms, bien sûr, sans dire mon nom. Me menacer de m'emmener chez les marabouts. Il fallait aussi que je te montre, grande sœur, que je n'ai pas peur des marabouts. Et que les marabouts, ce n'est pas la solution à tout. La preuve, je suis là, rien ne m'est arrivé. Ça fait pratiquement 1 an aujourd'hui, je suis là, rien ne m'est arrivé. Je suis mon petit bout de chemin. Mais je n'ai jamais utilisé ta page et je vais te la rendre. Comme ça, tout le monde sera apaisé. J'espère qu'après ça, tu vas continuer ton chemin et que tu vas me laisser faire mon petit bout de chemin. C'est mon direct, je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct, je fais avoir mon iPhone. C'est mon direct, je fais avoir mon téléphone. C'est mon direct, je fais avoir mon iPad. Si ça te plaît. Tu as dit que je ne suis rien, que je ne vaux rien. Laisse-moi me fabriquer. C'est à partir de rien qu'on devient quelque chose. Laisse-moi me faire. Je vais te rendre ta page et tu pourras la gérer. Tu pourras faire, elle sera là, ton nombre d'abonnés n'a pas diminué. Je vais te la rendre comme elle était, sans monétisation. Et tu vas pouvoir gérer ta page comme tu veux. J'espère que tu vas arrêter de raconter des mensonges sur ma personne. Parce qu'on parle de manque de respect, je n'ai jamais rien inventé sur toi. Je n'ai jamais parlé de ta vie intime que je ne connais pas. Je n'ai jamais parlé de tes histoires de cœur, de tes histoires de fesses que je ne connais pas, d'ailleurs, dont je ne peux pas en parler. Je ne suis jamais rentrée dans ta vie, en fait. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas quitter derrière moi. Voilà, je vais faire ce qu'il faut, faire les manipulations qu'il faut. Je vais t'envoyer la demande d'admin, parce que c'est comme ça que ça se fait. Je vais t'envoyer une demande pour être admin, pour redevenir admin de ta page. Et tout ce que tu auras à faire, c'est l'accepter. Donc, j'espère qu'il y aura quelqu'un avec toi pour faire ça, parce que je sais que tu ne maîtrises pas. Tu vas récupérer ta page d'ici quelques jours. Maintenant que j'ai fini avec ça, je vais revenir maintenant sur le cricket de cri. Ma chérie, mon élève. Ouais. Tu as tourné, cherché par quel bout. Tu allais venir m'attaquer. Et tu veux rentrer dans l'histoire d'Amazon. Amazon, c'est une grande sœur. On n'a pas de problème. On a eu un malentendu. Demain, Amazon et moi, on va se tamponner certainement sur une scène. Toi, tu ne seras pas là, cricket de cribi, parce que personne ne te connaît en tant qu'artiste. Personne ne te connaît. Et là, on va faire parler les chiffres un petit peu. Parce qu'elle a dit quelque chose là. Que Calibri a partagé son contenu avec bénédiction, bénédiction des aînés et tout. Donc ça fait de toi une artiste parce que Calibri a partagé ta musique. Bon, te voici ici là sur Spotify. Ok, parce que les chiffres ne manquent pas. Te voici sur Spotify. Qu'est-ce qui est écrit? 0. C'est ce que tu représentes dans le monde artistique. 0. Voilà ton single. Si on pouvait rentrer dans le dedans, c'est-à-dire dans le nombre d'écoutes que tu as là, je suis sûr que ça va nous donner le tournis. Je suis sûr qu'on va pleurer parce que là c'est moins de 1000. Maintenant, on passe à moi. Que les chiffres ne mentaient pas. Ça, ce sont mes chiffres sur Spotify. Ça, c'est le nombre d'écoutes sur mon Spotify, sur mes chansons. Est-ce que tu vois un peu? Donc, quand tu me dis que Calibri a partagé tes trucs, je ne sais pas quel effet ça a eu parce que tu as 0 auditeur sur Spotify, motherfucker. 0. C'est ce que tu représentes dans le monde artistique. Tu es à ce titre très très mal placé pour me conseiller artistiquement parlant. Tu ne peux rien m'apprendre. 0. Voilà ce que tu représentes dans le monde artistique. Donc quand tu vois 2 artistes, c'est-à-dire ma grande sœur Amazon et moi, faire nos problèmes, s'il te plaît, mets-toi de côté. C'est pas ton level. C'est pas ton level. Tu n'es pas compétente pour discuter de ces choses-là. La preuve, dans ton live, tu n'as même pas parlé d'Amazon 1 minute. Pourtant, quand tu as annoncé ton direct, c'était la voleuse de page. Poil aux aisselles, la voleuse de page.
Mais tu l'as toujours fait ton live, tu parles de la page une minute. Tout le reste, tu as parlé de mes poils. Parlé de mon gars. Mon gars. Je n'ai pas juste du caractère. Je suis un haut potentiel. Tu parles de ma relation. Tu parles de mes soi-disant parties de jambes en l'air. Je te conseille d'en faire quelques-unes. Ou bien peut-être tu n'es pas satisfaite. Parce que vu comment tu es coincée, nerveuse, vu comment tu es frustrée, je pense que tu as besoin de t'envoyer en l'air un peu. Tu en as besoin. Je vous ai demandé de m'envoyer la vidéo. On va la voir. Tu es belle voix. Oui, tu es une belle voix. Mais regarde ce que tu veux. Tu t'attendais à quoi? Moi, quand j'ai sorti mon titre, Calibri à partager. Tu connais Calibri, non? Est-ce que j'ai déjà vu Calibri? Tu sais pourquoi Calibri à partager? Malgré que tout le monde est en train de se retourner contre moi, tu connais la légende que Calibri a mis quand il partageait ma musique? Il a dit les doigts que viennent. Malgré ta grande gueule, tu me chiffrais. Va de l'avant avec ta musique. Tu sais ce que c'est comme bénédiction quand ça vient d'un aîné? Vous avez oublié les valeurs, hein? Tu sais ce que c'est quand l'aîné ouvre les portes de la bénédiction, ma chérie? Un aîné qui a peut-être 40 ans, il a les cheveux blancs sur la tête, ou plus, et te dit vas-y. Mais toi, tous les aînés ne font que t'insulter, tu t'en fous, alors que ça te ramène en arrière. Qui te bénit pour ta musique à part le reste de moi à détester? Les seuls gens qui sont en train de faire semblant de bénir ta musique, ça ne veut pas aller loin parce que déjà ces gens ne le pensent pas. Je te promets, t'attends le nom ne t'aime pas. C'est vrai que son amour ne va rien te donner, c'est l'amour de Dieu qui est important, mais je te dis qu'elle fait semblant. Crois-moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Elle sait que je ne t'aime pas, je sais qu'elle ne t'aime pas. Si tu veux me croire, tu me crois. T'as compris? Oh, c'est pas un enfant, je te passe le message. Ce que vous faites là, c'est le folklore. Elle ne t'aime pas. Crois-moi. T'as compris, non? Elle t'invite là-bas, que faire? Celle, crois-moi, elle ne t'aime pas. Ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours en train d'accuser les autres d'être de la basse. Et maintenant, toi-même, tu reconnais que Calibri, ton grand frère de la basse, était avec toi. Moi, personne de la basse n'a partagé ma musique. Hein. Moi, que tu accuses toujours d'être de la basse. Moi, personne de la basse n'a partagé ma musique. Ils ont partagé la tienne. Ils t'ont porté. Parce que toi, tu en faisais partie. Et parce que tu t'es fabriqué en insultant par Paul. Mais tu es toujours en train de mettre ça sur les autres. Mm-hmm. Parce que tu veux mettre une cible sur nos têtes. Mais personne n'est dupe. Elle sait que ce que je dis là, c'est la vérité. Elle va lancer là, le live pour faire le foot à vous parler en parabole. Mais elle sait que ça pénètre bien. N'importe quoi, voleuse de tâches. Si vous voulez m'envoyer les étoiles, vous cliquez sur le lien là en bas. Mon arbre à lien, vous cherchez là-bas, acheter les étoiles moins chères. Vous payez et vous envoyez. Voleuse, qui t'a dit de voler? Aucune personnalité. Aucune personnalité. Une fille là, on ne peut pas faire confiance. Tu vas venir demander des excuses à tout le monde. Sinon, tu vas continuer de répondre à moi, il va être obligé d'aller dans toutes les teams, faire la lèche-route. Après, ça vient faire la grande gueule. J'ai du karaté. J'ai du karaté. Vous savez qu'elles aiment faire jazz, ils ont du karaté. Toi, tu as du karaté. Le karaté ne se dit pas, on le voit. Et on a vu que tu n'en as pas. Le même soir, le père de Poussin t'a mis paté. Il est entré. Le père de Poussin. Adama. Il a jusqu'à il a senti le mouillé. Tu as senti le mouillé. Je n'imagine même pas la scène. Amère quand même ne peut pas réussir un mariage avec une fille des réseaux sociaux. Amère quand même peut réussir un mariage avec une fille qui est loin des réseaux. Ah ma chérie, tu as prononcé le mot mariage. Oh, la prophétesse a dit le mot mariage sur ma vie. Oh, oh, oh. Que le ciel t'entende. Toi, tu es là loin de la bonne mariage. Hein? Ça dit que tu as l'œil hein, de temps en temps. Ah, merci Dorcas. De temps en temps, tu as l'œil. Hein? Tu es là là-bas. Ma, tu es quitté d'une binda, de la binda d'un soir. Toi, tu es au mariage. Ça dit que ça. Non, là, ça te fait peur. Hein? On va revenir là-dessus. C'est très important ce qu'elle a dit. Que oh, Amère, Amère a mis mon dos au sol dès le premier soir. Ma chérie, je ne sais pas par où je commence. Vous avez vu la vidéo du jour où elle a rencontré Amère Kamère. Ma chérie, tu n'avais même pas vu votre rencontre avant parce que ce que tu fais ne m'intéresse pas en fait. Mais tout le monde sait que c'est toi qui avais lancé la rumeur que Ilan Binda avait Natacha de Monaco. Et deux temps, trois mouvements, tu fais des kilomètres pour aller le voir. Parce qu'elle n'habite pas à Nantes, elle est dans un village perdu là-bas, quelque part là-bas. Donc elle a fait des kilomètres après avoir dit que, après avoir lancé la rumeur comme quoi Amère Kamère a Binda avec Natacha de Monaco. Ma baisse! La paix fait mal aux gens, hein. Les prophétesses. Oh. Maman, tu es à quel niveau avec l'exorcisme de Annabella? Tu es à quel niveau avec l'affaire de Samy? Tu ne veux plus la justice pour Samy, maman? Tu es à quel niveau avec Laura Kameni? Tu me dis que, oh, une artiste qui clash. La seule fois où tu as prononcé mon nom, c'était pour me dire d'aller clasher Laura Kameni. Tu m'as dit que si je clash Laura Kameni, tu vas partager mon contenu, tu vas partager ma musique. Comme tu le fais souvent tes lives là, ceux qui ont vu, hein. Les preuves sont là. Hein. Les preuves sont là. Hein. Toi, la prophétesse. Toi, la fille de bonne foi, la fille merveilleuse qui a bon cœur. Le jour où tu veux bien prononcer mon nom, c'est pour me dire d'aller clasher Laura Kameni. Et que si je la clash, là tu vas partager ma musique, là tu vas partager mon contenu. Je ne l'ai donc pas clashé. C'est ça faire preuve de caractère, c'est ça rester droit dans ses bottes. Sinon j'aurais partagé à tes 200 000 abonnés, j'aurais profité, mais j'ai refusé de me mouiller. Parce que je ne fais pas dans ça, je fais ce que je décide de faire. Pas ce qu'on m'impose de faire par rapport à mes intérêts. Alors, si j'ai décidé de me mettre avec Amère Kamère, c'est mon choix. Je vous le dis tous les jours, Amère ne m'a pas dragué, je l'ai choisi. Est-ce que tu comprends? Je l'ai choisi. Quand je suis allée voir Amère, je ne portais pas une mini-jupe. Je n'allais pas en décolleté. Je suis allée avec mon cerveau. Contrairement à toi, femme mariée, qui a porté un rideau en guise de robe, soutien dehors, caleçon dehors. C'est les attouchements que je voulais voir sur mon gars. Tu sais depuis combien de mois il voulait me voir? Tu sais combien de fois il est venu à Paris? Il a voulu me voir et je ne suis pas allée. Est-ce que tu sais combien de fois? Non, parce que ne fait pas le bruit sur les réseaux. Je me décide d'aller voir Amère Kamère parce que les ancêtres m'ont montré que je dois y aller. Donc je suis allée prendre ce qui m'est dû. Je prends ce qui est à moi. C'est comme ça. Tu lui as donné l'argent pourquoi, ma? Toi, femme mariée, tu fais des kilomètres pour aller voir un gigolo en tissu rideau. Allez chercher la vidéo là si vous ne me croyez pas. Le téléphone s'y dérange. Oh.
Oh là là, j'allais vous montrer. Vous devez voir ça. Vous devez voir son attitude. Vous avez vu moi, mon attitude, quand j'ai rencontré Amir Kamer. J'ai fait la vidéo, tout le monde l'a vu. Vous avez vu, c'est lui qui dormait dans mon cou. Vous avez vu, non? Par contre, entre eux, c'est elle qui le touchait. Donc, depuis là, tu cherches par où tu vas parler sur l'affaire. Si tu ne trouves pas, tu viens t'accrocher sur mon problème avec ma grande soeur Amazon. Je te dis que c'est des problèmes de star. C'est des problèmes d'artiste. Ce n'est pas ta catégorie. Reste dans ton couloir de blogueuse. De petite blogueuse. Parce que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait la grandeur, la qualité du blog. Tu es une petite blogueuse.